près de chez vous se trouve une entreprise qui emploie des personnes aux talents différents. Elles exercent un métier que vous ne connaissez peut-être pas ou mal. Chez Remorque Hubière, à Fourmies, dans le Nord, on fabrique des remorques utilitaires pour les professionnels. Nos produits sont des remorques qui permettent de transporter des engins à destination des professionnels du bâtiment, du travaux publics et des espaces verts. Alors, nous sommes toujours en recherche de différents postes, principalement des soudeurs. C'est un métier qui est passionnant parce qu'en fait, aujourd'hui, il permet d'assembler tout un tas de pièces et de créer un produit de A jusqu'à Z. Ça, c'est un des métiers sur lesquels on est le plus souvent en recherche. Deuxième type de recherche et d'emploi que nous avons du mal à pourvoir aujourd'hui, les monteurs, ce qu'on appelle nous monteurs assembleurs de remorques, c'est-à-dire en fait des gens qui sont des très bons bricoleurs et qui vont assembler le produit pour en faire, une remorque telle qu'on peut la voir sur les routes partout en France et en Europe. Les remorques sont entièrement fabriquées sur le site. Dans les ateliers, on retrouve surtout des soudeurs et des monteurs. Les produits réalisés ici doivent être très solides et demandent un certain savoir-faire des employés. Mon travail consiste à monter les châssis, comme vous pouvez les voir derrière, ainsi que les souder et les redresser en fin de montage si besoin est, parce que la soudure fait bouger la matière. Et voilà. Les bases, elles sont fatalement, c'est appris à l'école. Et puis après, ben, on se fait la main à nous-mêmes. Et puis, c'est à force de faire les choses, on apprend tous les jours, même sur différentes matières. Là, on est sur de l'acier, après on peut passer sur de l'inox, tout ça. C'est toujours... on apprend tous les jours, quoi. On est fiers de ce qu'on a fini, de ce qu'on a fait, quoi. Et puis, des fois, après, on peut les voir rouler à l'extérieur. On se dit, bah tiens, c'est peut-être moi qui l'ai fait. C'est gratifiant. Moi, j'aime bien. Je suis fier. Quand je vois mon châssis qui est terminé, je suis content. Moi, c'est surtout de la lecture de plan. On a un plan. Au début, on a un plan. Et puis, c'est à nous de, comme Stéphane disait, à assembler, à pointer, à souder, à redresser, à retourner, et puis à faire la finition, quoi. Il y a des choses que tu ne sais pas faire, mais avec les anciens, on apprend à essayer de faire en sorte pour que ça marche, quoi. La structure métallique est terminée, il faut maintenant l'équiper pour qu'elle puisse prendre la route en toute sécurité. Les châssis sont soudés, galvanisés, ils nous reviennent, et là on monte essieux, les éclairages hydrauliques, enfin tout ce qui peut être accessoire sur la remorque pour la rendre roulante et utilisable. C'est beaucoup de pratique, de côté pratique, système D, logique. Il faut aimer servir de ses mains, c'est tout. Plusieurs possibilités d'accession à ces métiers s'offrent à vous si vous êtes intéressé. Quelques bagages et en route pour l'industrie.